J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps que j'ai été active sur YouTube, donc je m'en excuse. Mais cet été, j'ai vraiment profité à fond. Je voulais un peu vous expliquer mon été, et plus particulièrement quand je suis partie aux États-Unis avec Janelle. Donc comme vous devez le savoir, je suis partie aux États-Unis, donc à San Diego en Californie, avec ma meilleure amie sur les réseaux sociaux, Janelle. On a vraiment l'habitude de partir en vacances toutes les deux, et là c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, donc j'étais vraiment super contente. Et si j'ai eu cette chance, c'est grâce à EF, donc Education First. Donc dans cette vidéo, je voulais un peu vous expliquer mon expérience avec EF, si j'ai aimé ou pas, si je vous le conseille. Et ensuite, vous aurez un vlog qui dure environ 2 minutes que j'ai vraiment kiffé faire là-bas. Je vous insérerai également un peu d'images pour que vous puissiez vous situer. Donc si vous savez pas, EF fait des séjours linguistiques et vous pouvez partir à la destination de votre choix. Donc personnellement, je suis partie en Californie, comme vous pouvez le comprendre, et c'était vraiment très très bien. Franchement, j'ai vraiment adoré. Donc pour que vous puissiez savoir, le but premier de EF, c'est de s'améliorer en anglais. Donc pour mon cas, ça a marché. Le matin, on avait des cours et l'après-midi, on avait des activités. Et franchement, comme activité, il y avait plein de trucs. On a fait du canoë, on a fait du shopping, on a été à la plage, on a visité beaucoup de choses, on a fait des randonnées. Franchement, c'était très très cool. Je me suis fait vraiment plein d'amis et j'ai gardé contact avec eux. Du coup, ça c'est vraiment bien. Si vous voulez vous faire des amis, je vous conseille énormément EF. Vous avez le choix entre dormir dans un campus et dormir dans une famille d'accueil. Donc pour notre cas, on est tombé sur notre famille d'accueil qui était vraiment super gentille. Franchement, on a adoré être avec eux. On a fait également plein d'activités avec la famille. Ils avaient un chien, ils avaient une piscine. Franchement, on a adoré. Vous allez le voir dans le vlog, les images. Franchement, c'était magnifique. Et c'est vraiment un voyage que je vais garder en tête. Donc si vous voulez savoir pour mon anglais comment je me suis améliorée, j'ai appris forcément quelques mots de vocabulaire, mais j'ai plutôt à parler plus spontanément en anglais. Et vu qu'on a discuté avec la famille et tout, ça nous a fait du vocabulaire en plus, donc c'était cool. Donc voilà, on est parti 15 jours. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à y aller. Parce que si ça vous intéresse, c'est vraiment très important. Il faut savoir qu'à EF, il y a différents niveaux. Donc ils vont vous évaluer sur un test que vous allez faire avant de partir. Voilà, c'est vraiment un test obligatoire et ils font en fonction de vos capacités. Donc personnellement, j'étais vraiment dans une classe à mon niveau, donc ça. Bref, du coup, j'espère que vous avez à peu près compris le but d'EF, donc de Education First, et je vous laisse avec le vlog de 2 minutes. J'espère qu'il vous a plu, c'est des petites images que j'ai filmées là-bas. Il y avait beaucoup de paysages, je sais, il y avait quelques vidéos avec Janelle. Et franchement, j'ai pas filmé énormément puisqu'on était souvent en cours et on écoutait bien et tout. Je voulais pas trop sortir ma caméra pour déconcentrer tout le monde, etc. Mais je vous ai quand même filmé quelques plans, du coup j'espère que ça vous a plu. Si vous comptiez vous renseigner plus sur EF, je vous mets d'ailleurs un lien en barre d'infos. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et merci d'avoir regardé. Bisous!